On sait quand tu as emprunté cette somme, Doris. Mais ma famille... Bon, j'ai chaud. Et je suis de mauvaise humeur. Alors tu vas payer. La seule question, c'est qu'est-ce que je casse en premier ? Toi ? Ou ta marchandise ? Dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça. Je me mettrai pas à genoux devant une mercenaire. Quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au Cyclope. Au Cyclope ? C'est comme ça qu'il a acheté son vignoble ? Écoute, je sais que sans Marcos, tu serais morte. Qu'il t'a recueilli quand tu étais enfant. Mais reconnais que c'est de la folie. Bon, t'as pas intérêt à l'oublier, espèce de connard. Ouais, tu as raison. Oublie cette histoire d'argent. Il faut que je parle à Marcos. Tu ne me réclames rien ? Alors prends au moins cette épée. Elle est banale, mais meilleure que la chose toute rouillée que tu portes. Elle pourra me servir, face au Cyclope. Tâche de raisonner ton ami. Sinon vous mourrez tous les deux. Putain, je suis encore niveau 1, sérieux. Ah d'accord, Talos peut. Et alors, je viens de Persepolis. Ouh, il vient de Grèce. De Perse. Je vois pas où s'il faut aller en fait. Ah bah si, faut retourner voir Marcos, donc c'est bon quoi. Où c'est vous, bande de naze? Où est-ce qu'il passe? Oui, il a perdu le chemin, ce con. What? Le Cyclope ne va plus tarder à venir te voir, Malaka. Il veut son argent. Je ne peux pas avoir un petit délai? Quand il rentrera à Kefalonia, une fois à terre, il viendra casser en deux. Mets-toi ça dans le crâne. Allons, ne nous énervons pas. Tu pourras pas te cacher éternellement derrière ta grande Mystios, Marcos. Il te tuera avec la mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin. Non, d'accord, pas de problème. Je vais trouver l'argent. Bien. Sinon, je reviens regarder le Cyclope vous donner à manger à ses chèvres. Ah, Cassandra. Je vois à ton sourire que Doris t'a rendu ton argent. Quel sourire? J'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais on peut le rembourser, non? Je suis sûr que c'est possible. Tu as fait une promesse idiote, Marcos. Impossible à tenir. Je te croyais invincible. Moi peut-être, mais toi non. Ah, comme j'en regrette le passé. Tu te souviens? Tout était si simple. Tu n'avais rien. Tu étais jeune, tu étais seul, et j'avais tout, et je t'ai offert le monde, Kefalonia, dans le creux de ta main. Cassandra ! Alexios ! Son village est en centre.
une destinée assez impromptue, on va dire. Ah ouais, il y avait une seule tronche à l'époque. Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein. Oh. Ah. Tu as faim? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne. Tu ne trouveras pas de meilleure offre. Hein? Réfléchis-y. Attends! Kefalonia. Merci bien. Tu n'étais rien sans Marcos. Et regarde le chemin qu'on a parcouru. Tu étais orpheline, miséreuse. Et te voilà Mystios avec un toit. Ouais. Et le Cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger éternellement. Et il va me tuer moi aussi. Oh, il n'y a pas de quoi avoir peur. Regarde-toi. Que veux-tu que je fasse contre lui? Avec quelles armes? Une lance rouillée, un arc brisé? Te voilà. Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Drusilla! Je parlais justement de toi. Ah bon? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement, naturellement. J'étais en train d'en parler à mon amie Cassandra. Elle a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Je vais rien dire. Elle parle peu, mais elle est terrible. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite. Merveilleuse idée. Pour ma part, je dois rentrer. Cassandra, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de Cyclope. Passe me voir quand tu pourras. Si tu veux récupérer ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent, allez, viens avec moi. Ces arcs vont me rendre riche comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces? La guerre est là. Les Athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiates. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Tu te prends pour qui? Pour Marcos? Il est temps pour toi de voir les choses en grand. Cette guerre pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es Spartiate. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Allez, bon. Donne-le-moi. Voilà, madame. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Et c'est le... Eh ben... Tire donc une flèche sur ces mannequins. Terminé. Passage de niveau. Niveau 2. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant? Ces bandits ont besoin d'une leçon. Ce sera fait. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin. On peut dire que Marcos a... Où est-ce qu'ils se trouvent, ces bandits? C'est où ils sont, ces bandits? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais. D'accord, ils sont dans les montagnes. À mon avis, du côté des campements. Je vais m'occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Miam, miam, miam. Un chatou. Regardez, il y a dans son petit panier. Waouh! Mouaou, mouaou. Canne. Désolé, j'adore les chats. Bon, bref. Allez. C'est pas en parlant comme ça que je vais travailler plus vite. Je vais les tuer, ces bandits, et je t'apporte ta saleté de bois. Oh, j'en suis sûr. Prends le temps qu'il te faudra. Je te fais confiance.
Très bien, j'ai fait quelque chose pour toi, alors à ton tour maintenant. Rapporte-moi ce bois. Bien, madame. Putain, vache, elle est autoritaire, hein, la Cassandra. Je me demande si nous pourrons partir sans échanger de coups. Ça m'étonnerait, cet endroit ne changera pas. Non, je ferais mieux pas. J'allais déclencher une guerre. Non, non, on se calme un peu. Alors, il a dit dans les montagnes. Mais quelles montagnes? Ok. On va par là. Allez, go! Dégagez la route! Laissez place! Où tu vas? C'est par là qu'il faut aller. Ah mais il est con ce cheval. Allez. C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un œil. Ok. Voyons voir. Oula! Merde, merde, merde. Putain, il est là, ce con. Oh, ça va pas être simple. Putain. En plus, moi, je suis pas... Des empreintes de pas, nombreuses. Un groupe est parti vers l'ouest. Parti vers l'ouest. L'ouest, aussi. Pas de l'autre parce que il va me défoncer la gueule. Il faut que j'approche discrètement. Ok, niveau 2. Hmm.
là. On ne restera pas. On va s'approcher discrètement, ils sont quand même nombreux. Voyons comment je vis. Le campement de bandits que je cherche. Ok, tout se déroule bien. Une petite passe à peu mauvaise. Quand il m'a voulu. J'attends qu'il se débarque un peu de ce côté, ce con. Je suis sûr que mon épée perd de son tranchant. Ça fait des jours que je ne m'en suis pas servi. Il faut que j'aille le battre avant d'oublier. On devrait se trouver un village, choisir une cible, la suivre chez elle et les triper. Ça se tient, ouais. Oula. Mais qui s'approche. À droite ou à gauche. Yeah, rapporter du bois comme preuve. Je
cette vieille folle ne me croira pas. Là, c'est juste ça. Ah, les assassinats se sont déroulés avec brio. On va piller un peu le camp. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à trouver. Oh oui. Oh. Allez. Donnez-moi tout ce que vous avez. Ouh. La guerre, c'est un excellent moyen de devenir riche. Après, il y a toujours le commerce hein, qui fait de très bons profits. Mais bon. Pour le moment, je n'ai pas envie de commettre de vol. On verra si la nécessité... sera un homme. Bon alors, parlons par rapport à ça. Bon, l'assassinat, les assassinats se sont déroulés comme on le souhaitait. Ah oui, ouais, j'ai pas été par contre là-haut. Ah putain, la vache! Ça brûle cette merde! Où est le poids que je dois rapporter? Ça va qu'il y a énormément de choses à piller. Alors, on va profiter pour améliorer notre personnage. Alors. Putain, la fin. Sportia! Tout est mis de casse-mette.
Ok, il y aura deux trucs que je prendrais. L'attitude, celle-là. Non, pas celle-là. Parce que ça, elle pourrait m'être très utile. Alors, on va prendre ça. Ah oui, non, elle a pris, d'accord, elle a pris tout. Ok. Bon. Et ben, on peut rentrer. Terralite, ils ont voulu se me faire chier, donc hop, c'est pas fait. Bah, tout de même. T'as pris ton temps, toi. Alors, on va retourner chez la vieille. Et bah, très franchement, il me plaît le jeu. Surtout que moi je suis un très fan d'histoire, un très grand fan. La Grèce, c'est l'un des pays que j'aime bien, franchement. L'Antiquité est une des époques les plus incroyables qu'il y ait jamais eu dans notre histoire. D'énormes batailles, d'énormes empires créés, dont celui d'Alexandre le Grand venant de Macédoine. Je me dirai ça plus tard. Un château. Nickel. Bah. Ah bah voilà. Désolé, il y a un petit bug. La manette voulait plus bouger. Ouais, c'est pas grave. Ah, la servante de Marcos. Avec le bois dont j'ai besoin, j'espère. La servante? Non, je ne crois pas, non. Je voulais dire son bras armé. Est-ce que je peux être bête? C'est mieux. Ça devrait te suffire jusqu'à ce que le reste arrive en ville. Par les dieux! Tu travailles vraiment pour Marcos? Il n'a jamais tenu une seule promesse. Il travaille pour moi. Ensemble, mais on ne se ressemble voilà. Pas. C'est mieux. Moi, je tiens parole. Alors prends ton paiement et ne donne rien à Marcos. Merci.